La forêt, c'est un monde en soi et on est chez plein d'êtres vivants. Ça m'évoque aussi des univers un peu oniriques, comme dans Miyazaki, par exemple. On a proposé une installation qui s'appelle Les Chaumes, en trois formes de tailles différentes, qui évoquent un peu des créatures, à mi-chemin entre des créatures et des vêtements. C'est des installations qui sont faites pour inviter les gens à venir à l'intérieur, à monter dans les structures et à passer leur tête par le trou. Ça évoque aussi un peu le gros manteau dans Astérix légionnaire. L'idée, c'était d'utiliser du chaume. On est architecte à la base et on fait une structure. Ensuite, il y a une structure secondaire avec des bambous. Et ensuite, il y a la couverture. C'est du chaume de réemploi. C'est quelque chose d'architectural et en même temps, on a envie que ce soit un peu vu comme un vêtement et que ce soit approprié par les gens. C'est assez libre d'interprétation et nous, on a voulu jouer avec l'univers de la forêt, ce que ça évoque pour nous, des trucs d'enfance et d'éveiller un peu le jeu et en même temps l'imaginaire.